Attention, cette vidéo comporte des scènes trash et violentes. Elle est donc réservée à un public mature. Merci de surveiller vos enfants sur Internet avant d'accuser les youtubeurs ou tous les vidéastes en général de proposer un contenu inapproprié. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Dead Rising 4 pour une vidéo de gameplay. J'ai joué à peu près une heure et demie au jeu, j'ai pris mon temps, je me suis baladé un peu. Et donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de gameplay et je m'excuse d'avoir gueulé comme ça dans le micro. Je vais m'éloigner un petit peu et je vais essayer de moins gueuler dedans, c'est juste que j'étais un peu fou. Donc on va y aller, je suis désolé si je baille d'un seul coup, c'est juste que je suis un peu crevé. Le réveil m'a piqué la gueule. Ah bah putain, il y en avait un derrière moi. On va te boxer toi. Alors attendez, je me gratte l'oreille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite vidéo de gameplay, voilà. Alors je sais pas si on va faire grand chose, on va surtout dézinguer du zombie. Donc vous voyez, bon là ça va être pourri, mais il y a le retour de l'appareil photo. Sauf que cette fois vous avez plusieurs visions, plusieurs trucs. Je l'avais pas vu arriver vers moi. Hop, et donc vous gagnez toujours des points. Par contre, en fait, là ils m'ont vu, ils commencent à arriver en masse. Donc on va peut-être commencer à faire attention. Je me suis trompé de bouton. Allez hop. Il me court après, ces cons là, il me court après. Et vous voyez, au bout d'un moment, on a des combos. Et là, ça va piquer, je pense. C'est quand la jauge se remplit, là. Et là, il commence à être beaucoup autour de moi. Donc là... là, on va changer d'arme. Alors, évidemment, je vais mettre un petit message. J'ai mis un petit message au début de la vidéo, parce que là, c'est public adulte, hein. Parce que ça va être une vidéo remplie de violence gratuite, hein, évidemment. Et donc, dans ce Dead Rising 4, on est de retour à Willamette avec Frank West. Donc Willamette, c'est le centre commercial qu'on a dans le... enfin, c'est la ville qu'on a dans le premier, mais on est surtout dans... on est dans le centre commercial dans le premier. Et bien là, on sera dans le centre commercial, mais dans la ville aussi de Willamette. Oh, écoutez, on va le faire, tiens. On y va. Mesdames et messieurs, voyez, on peut... votre moteur. On peut se taper des gros délires comme ça, dans ce jeu. Donc, vous voyez, voilà. C'est des gros délires comme ça qu'on peut se taper. Alors je sais pas si ce sera aussi fun que le premier. Mais dans la voiture de tête, Frank West, un photographe adulé et on verra bien. Par contre, je pense que vous l'avez entendu. Putain, le son est à fond.
Oh oh. Il y a un plan. Il me le faut absolument. Je pense pas que j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, on va prendre ce carte là plutôt. Et on va aller au point où je devais aller normalement. Oh putain, ça avance pas ce truc. En fait, on va aller au point où on doit aller logiquement. Je vais déposer ce carte ici. On va y aller tranquillement à pied. On va aller voir là-bas. Donc là en fait il y a une nouvelle épidémie. Mais c'est des militaires qui font des trucs chelous sur les zombies. Puisqu'au départ on va visiter une base militaire. Alors, dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. Et donc voilà, le problème, il est que maintenant, Willamette est encore une fois... Oh putain. C'est que Willamette est encore une fois, pris d'une épidémie. Mais cette fois, c'est des expériences qui ont été faites, apparemment, par ces putains de militaires. Alors, est-ce qu'ils vont me niquer ? Ah merde, oui ! Les bâtards ! Donc, à savoir, c'est est-ce qu'on aura encore des psychopathes comme on avait dans le précédent ? Moi, je vous fais exploser la face, moi, alors. Bande de branleurs. Et donc là, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est arrivé pendant le Black Friday. C'est pas un plan, ce truc. Non, par contre, il y a un truc à bouffer, je vais le prendre. Et donc voilà, c'est arrivé pendant le Black Friday, donc vous imaginez bien que le magasin était plein et tout. Fin... C'est quoi ce bordel ? Oh merde ! Ah ! Bon, bah il y a des tarés visiblement. Ah non, non, non. Je garde ça, moi. Et donc, voilà. Il y a des oufs partout, visiblement. On va faire un petit feu d'artifice. Donc après, le centre commercial, voilà, il a pas l'air de ressembler vraiment à celui du premier. Il a l'air beaucoup plus... beaucoup plus grand. Il y a quelqu'un qui crie save me. Allez. Donc voilà, on va pas forcément beaucoup avancer dans cette vidéo, je vous le dis, hein. C'est...
Vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Visuellement déjà. Ah. Ah non, j'ai pu... J'ai plus mon arme de destruction massive. Je suis pas trop rentré dans les boutiques non plus. C'est vrai. Ça après, bah, en tout cas le centre commercial il a l'air bien grand, en plus on peut rentrer dans les magasins et tout. Oh merde. On peut pas refermer les portes derrière soi. Je crois que j'ai un point à attribuer. C'était pas un bruit normal. Non, pas vraiment. Ça veut dire qu'il y en a un master quelque part. Là, on va peut-être rencontrer un premier boss. La zombification prenait des jours. C'est quoi ce bordel? Oh putain. Ah ouais. Ils sont quand même beaucoup plus costauds, hein. Et puis ouais, ça vient tout de suite là. Eh ben on va y aller. Oh putain. Eh, ils sont balèzes hein. Non non non. Tiens. Ça sent vraiment pas bon là-dedans. J'espère bon. Que c'est magique. Ça vous arrive de vous reposer? Vous ferez pas un long feu dehors si vous vous préparez pas. Pire, contente de pas être dehors. Vous allez avoir besoin. À bientôt, j'espère. Bon, les fringues, on s'en fout. Je vais aller regarder les points, parce qu'on a toujours les points de compétences comme on avait dans le précédent. Dans survie, on a quoi? On va continuer d'aller dans résistance. Je pense que le mieux à faire, c'est ça. Hein. Pour l'instant, hein. C'est vraiment d'augmenter la vie.
Il n'y a rien à bouffer par contre dans le coin. Ouais. Donc là voilà, pour que vous puissiez voir aussi tout ce qu'on peut avoir comme arme, j'ai quoi moi? Ouais, ça va. Allez, on va aller voir par là. Vous êtes là depuis longtemps. Vous avez pas vu une journaliste à... Mais Vic. Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil. Edith, je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez-moi voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça, je vais prendre ça. Et ça. Alors, le mot de passe, le truc, c'est on a ce nouveau truc sur l'appareil photo. Non, là, visiblement, il y a... Pas terrible. Ouais, il faut que je me rapproche. Allez, applique-toi. Allez, Franck. Sympa. Donc des fois comme ça il faut trouver des indices. Non. Bah là je vois. Ah voilà, c'est ça. Regardez-moi ça. Le photojournaliste Frank West est sur place. Donc qu'est-ce qui reste à faire? Ah, ils nous font chier avec leur hors-champ. L'entrée principale. Je dois changer d'approche. Merde. Voilà, donc vous voyez là. Il faut enquêter comme ça. Vous prenez les trucs en photo. Et vous arrivez à trouver des indices pour savoir où vous devez aller. C'est du matériel militaire. On dirait que Vic s'en servait pour transférer des rapports. Donc, l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Bon, par contre, on se retrouve avec Frank West en français. Ça... Ça m'a fait un peu bizarre. Je vous ai entendu parler. Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins sont tous bloqués depuis l'arrivée des soldats. Faites quand même gaffe. Ces crétins avec les masques à gaz ont bâti une sorte de fort à Medieval Town. Si vous y allez, préparez-vous à vous battre. Faites des réserves tant que c'est possible. C'est noté. C'est un article très populaire. Ça vous arrive de vous reposer ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Faut que j'achète une carte. C'est ça qu'il faut.
Allez, on va y aller à Medieval Town. Tranquillement. Puis on s'arrêtera bientôt, hein. Pas besoin de faire très long. Hein. Je pense que vous avez vu ce que ça donnait. Il n'y a pas besoin de faire très très long. Ah oui, j'ai un défibrillateur là, on va se taper avec pour voir. On va voir ce que ça donne. Bon ouais, d'habitude j'aime bien les jeux avec la VF. Mais là, je dois avouer que ça fait bizarre. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge depuis tout à l'heure. Ça se présente plutôt mal. Oh merde! Ah, c'est ceux-là en plus, oui. Oh la vache, je suis dans la merde là. Putain, et ils sont costauds ceux-là. Hein. Bon, c'est du costaud quand même. Hein. Qu'est-ce que t'as, toi? En plus, ma scie à béton, là, elle est bientôt morte. Bon, après, c'est bien, ils ont rajouté une petite touche de sprint qu'il n'y avait pas dans le premier. Je vais me faire bouffer la couenne si je traîne ici trop longtemps. Nickel. On va essayer de l'aider. Essayer d'aider le mec là-haut. Merci beaucoup. Je vais faire profil bas maintenant. Ouais, vous pourrez plus dire que j'ai rien fait pour vous. Bon, je me suis bien fait déglinguer ma santé, mais bon. Ça vaut le coup d'aider les survivants. Alors, je suis désolé, ici c'est sombre. Là, malheureusement, c'est sombre un peu partout. Moi-même, je ne vois pas grand-chose. Vous en voulez encore ? Sale bait. J'ai un point, attendez. Ça, je vais mettre un point partout, je vais essayer d'équilibrer le truc. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Victor
terminaux d'Obscurus pour contourner le blocage des communications. Ouais, je crois que je l'ai vu faire. Elle transfère des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous le lire. Ok, Vichu, premier jour. Willamette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Ces pourritures et paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai, quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles, eh bien, peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de ressources. Ça date d'il y a un mois environ. Merde! Elle a beaucoup d'avance sur moi. Je vais essayer d'en trouver. Eh oui. En attendant, regardez si vous ne trouvez pas ce genre de terminaux. Terminé. Du coup, j'ai encore un point de compétence. Bon, bah, décidément. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce menu. Puis on a ces musiques de Noël qui sont remixées, là. Voilà. Au niveau du combat, on va se mettre un point partout pour tous les types d'armes. Et après, c'est surtout la résistance qu'il faudra augmenter, je pense, au début, parce que, bon... Tais-toi. Voilà. Après, c'est comme dans le premier, on a toujours les masques, les trucs comme ça, apparemment. Hop, voilà. Voilà. Non, on va quand même pas commencer à échanger pour faire des conneries. Tiens, il y a la tête de Lego. Comme dans le premier. On va courir un peu, hein, parce que s'il faut tous les frapper, là, on n'a pas fini. Hein. Putain, j'ai entendu des tirs, là. J'ai plus d'en vue. On va essayer de l'aider. C'était un fou avec avec les masques là. Allez, sympa. Allez. Sans vous, j'ai passé à coup sûr. Merci. Une épée. Une épée. Bon, faut que j'aille par là.
Allez, on va se prendre pour un chevalier. L'autre, il a lâché des points. Je les ai ramassés. Voilà. Allez, on se casse. Alors, je fais pas trop le tour des boutiques pour l'instant. Hein. J'essaye quand même d'avancer un petit peu. Bonjour, je savais pas que l'association historique des faces de cul était en ville. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Ta mère était une hyène et ton père sentait des sous de bras. Hé, hey, ouvrez! Je vais aller donner une leçon, vieux con! Hé, hey, bûcheron en fer blanc, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. Oh putain. Je me fais déglingue par ces connards. Allez, va brûler en enfer, toi. Par contre, j'ai plus beaucoup de santé. Et je sais pas s'il y a de quoi. Se rabibocher en santé. Pourquoi je peux pas. Ah, faut être niveau 10. Augmente les points de vie restitués par la nourriture. Parce que je crois que par ici, il y a un boss. C'est bien parti pour, hein, de toute façon. Oh là là, oh là là, ils m'ont des gommes. Ils me dégomment là. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de la bouffe. Quoi ? Il y a un fou dans le coin, là. J'ai entendu un fou dans le coin. Merde, c'est un néo infecté, ça. Ils sont tarés, les mecs, hein. Quand même, hein. On va le ramasser quand même, ça peut servir.
Parce qu'à mon avis, il y a d'autres tarés encore. Puis après ça, on s'arrêtera parce qu'on est à plus de 30 minutes là. Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je le suis un peu. Oh, le bâtard. Oh putain. Vite, vite, cours. Cours vite, non. Ne t'accroupis pas, cours vite, j'ai dit. Allez. Crève, crève, je t'en supplie. Ça serait pas vraiment une apocalypse s'il y avait pas quelques barbeaux. Ah putain, je veux ça. C'est pas là, c'est là. Ah, je vais encore augmenter les points de vie. Ça, c'est un truc, je pense, qu'il faut faire en masse quand on commence le jeu, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un point de sauvegarde là. J'aimerais bien qu'il y ait un petit point de sauvegarde dans le coin pour que je puisse m'arrêter là dans cette vidéo et vous faire tout de suite le montage. Oh génial, et moi qui déteste Noël. Wow. Voilà. Bon, écoutez, on a atteint le point de sauvegarde, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui est plus longue que ce que j'avais prévu. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.